pays. On quitte ça là comme exemple. Deuxième exemple. 2003-2004. Si Guy Philippe n'a pas gagné un soutien international, comment le gars fait faire ça le défait dans le pays? Ou bien service secret français? Ou bien service secret américain? Léonic Finfel, ça passe. L'objectif des Français, c'était quoi? C'était d'expulser Jean-Baptiste Aristide du pouvoir. Parce que Jean-Baptiste Aristide t'a demandé restitution et réparation. Yeah. Et comme il avait une dette chez les Américains, plus il était gagné en face lui, l'équipe de la bourgeoisie aujourd'hui, qui représentait l'intérêt américain dans le pays, eh bien, ils ont d'accord français, yo, ils ont mené la bataille. Mais si Guy Philippe n'a pas de soutien, ça, comment le dégât fait à lui seul avec Jovenel Chamblain mener bataille ça? Parce que justement, tu as un service secret français avec eux, service secret américain avec eux. Puis tu mettais Jovenel Aristide dehors. Madame, monsieur, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui arrive? Toto Constant prend prison, bien qu'il prend prison. L'aile quitte Haïti, malgré que Gonaïve, tribunal juge, il pas contumace, il quitte pays. Il arrive à New York, là il n'en vient pas à lui. C'est une vieille action, il doit arrêter Toto Constant. Et puis il fait un câble blanc, blanc tout là. C'est pareil pour Guy Philippe. Guy Philippe fin fait 2004. Il ose dire qu'il va écrire le livre pour dénoncer tout le monde qui est dans le bail. Ça passe. Il fait le marron, il fait la landéon dans Pestel. Alors on va dire Pestel sans dire non. Il fait le tourner la Kaili dans Pestel. Chaque lèvre il va mettre pression pour arrêter. Yo dit, yo va le checker là, dégage au quitte zone non. Jusqu'à ce qu'il vienne sénateur. Et pas pendant le sénateur, yo va arrêter le. Eh bien, Guy Philippe sera donc en Haïti, madame, monsieur, dans moins de 4 ans. Information. Guy Philippe a tourné là dans moins de 4 ans. Et il est encore jeune. Comprenez bien, oui? C'est-à-dire que je dis, on a dit que ni Guy Philippe, ni Toto Constant, c'est des éléments en fait de l'international, des éléments donc des Américains. Guy Philippe a tourné là, même gens que Toto Constant tourné là aujourd'hui. C'est pas pour cette raison au début de cette émission. L'MD dit que le Premier ministre te dit, c'est lui même qui fait Américain pas déporter Toto Constant. C'est pas pour cette raison de dire. Parce que ça pas non dos, le Premier ministre trop petit. Il est trop petit pour ne pas déporter Toto Constant en Haïti aujourd'hui. C'est quoi la mission de Toto Constant? Mais on connaît lui. Nous avons pensé pays ça, son pays qui peut aller tes gens là, non mais nous. Non mais haïtien, quand nous faisons une case, nous faisons une gagote, nous ne pas gagner une avec lui. Il parle de temps, mais nous comme ça. Notez pour moi aujourd'hui, en bas de réponse plus devant. Quelle est donc la mission de Toto Constant? Notez pour moi. Notez pour moi. La bonne réponse plus devant. Combien tu l'as fait côté lié? Quelle est donc la mission de Toto Constant? Eh bien donc, vous avez deux exemples ça devant avec question gang armée dans le pays. Guy Philippe ou dégâts disait guérilla, frappe ou dégâts disait guérilla, mais tous les deux ces âmes, même si aujourd'hui, ou confédération des gangs dans le pays, pour quel objectif? Bamba, un objectif là non. Madame, monsieur, ça c'est la troisième partie de l'analyse à l'émission Matin Débat. M'ka mouri demain matin peut-être. Yo ka vous arrêter moi quoi. Gonzan mi fait dit ouais pendant dit ça Gonzan mi dit pas oublier que administration ça paraît même moun ka bay vérité. Pas un problème. OK. Yo ka vous arrêter moi quoi. Yo ka vous étouyer moi quoi. Mais il est fait clair aujourd'hui. Gen deux bagages qui arrivé avec fédération gango qui là dans pays que barbecue lui même dans tête lui avec Bougoy, tu l'appli Anel Joseph même sur elle dans prison. Ok, il y a deux bagages qui sont arrivés là, et même trois. Pour qui ça que je dis à Binu, dans la mission, il y a une question de sécurité dans le pays, il y a une dégangsterisation du pays, et puis confédération des gangs. Pour qui ça, l'ambassade américaine n'a pas jamais réagi. L'ambassade américaine n'a pas jamais réagi. Pour qui ça, la police là tout, pas jamais aller jusqu'au bout. La police a commencé quand on a livré le campé, quand l'ordre l'a sorti. Et ceci depuis sous Gédéon. Gédéon là, on prend décision pour attaquer gang yo. Yo pas vous tirer jusqu'au bout. Quand côté arrivé, yo campé, côté l'autre la sortie. Et parce que justement, les gangs sont importants pour un secteur. Madame monsieur dans pays. Mais qui ça le cabaye?
premier bagage que Kabaye. Li ka vin mené à un départ du président Jovenel Moïse. Parce que madame, monsieur, m'a oublié qu'il y a les élections américaines qui ont fait en novembre. Il y a la date du 7 février 2021. Jusqu'à présent, l'eau coule douce entre le président Jovenel Moïse et l'administration de Donald Trump. Jusqu'à présent. Parce que la relation qui est là, il était dans le cadre vote Haïti contre le gouvernement Maduro du Venezuela. Il était là, jusqu'à présent. Mais Jovenel Moïse également, qu'on garantit faut que les bails binu ni administration Donald Trump blanc que les cafés bagayo. Ah ouais. Est-ce que vous me entendez tout? Les bails en Bundu et mon cher bon contre ça ou cafel? Oui, m'cafel. Parce que Jovenel Moïse les bails garantit ça que les cafés bagayo. Fait bagayo qui ça? Que le café élection, les cafés réforme constitutionnelle, les cafés guise pays ya. Les cafés relance économie. Il était dit le gamet gouvernement légitime de oui. Madame monsieur. Enfin, oui. Il était dit le gamet gouvernement. Madame monsieur. Si ils vont côté international là, où est que Jovenel Moïse pas qu'à délivrer, il pas qu'à faire élection, il pas capable faire réforme constitutionnelle. À mon parler ça pas passé. Ou parler rôle fédération gang dans le pays. Et gien point ça aussi là qui est échoué. Aïe aïe aïe. Oui, il y a pile point ça qui est échoué. OK. Maintenant ou ka wè que gang yo konya, ok, li vin amplifié nan pays, hein? Fédération tout côté, et puis pays a vin invivable, cousin ap tire tout côté, et puis Jovenel Moïse, bye bye. Aye, prime bagay ki ka arrive. Deuxième bagay ki ka arrive. La fédération de gang, li ka la tout, pour permettre que réforme constitutionnelle la fête. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Nous gagnons pas ouais que international là est très attaché à cette réforme. Et pas de route pas bois. Parce que ces réformes constitutionnelles là qui parle dit mais qui nouveau pays que nous gagnons, ces réformes constitutionnelles qui parle dit mais qui qualité de élection que nous gagnons. Donc la réforme constitutionnelle, madame monsieur, est fondamental et incontournable, indiscutable pour l'international. Maintenant, Fédération des gangs, il y a 11 outils pour neutraliser l'opposition. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Faut forcer au retenant tout net. Maman, tu cloches. Bâtez de l'imme. Parce que, pas oublier, mais tout que, bâton a changé maître. Bâton a changé maître. Donc, c'est pour neutraliser l'opposition. OK? Pour nous engager la nation dans une réforme constitutionnelle. Mais troisième bagage qui est arrivé, madame, monsieur, qu'on connaît très bien, c'est gagner les élections. Aussi simple que ça. Donc, s'il y a une élection, gagner dans un secteur, eh bien, on regarde combien de bureaux qui gagnent dans l'espace côté gagné. Combien de bureaux devant qui gagne? Et population électorale qui n'a pas ça, combien elle représente? Madame, monsieur, vous suivez l'émission Matin Débat. Donc jusque-là, c'est ça notre analyse. Maintenant, nous partons pour débat. Je m'attends à tout. Bon. Alors, mon gars fait des balles quand nous ne fait lui, mais pas goumé, pas discuter. Ok, respectez l'opinion de l'autre. On avance. Je commence avec. Jean-Pierre Baye, en forme. Je commence avec mot bâton changé. Mais alors, et bâton changé, mettre une importance pour moi. Et ça a une importance pour moi encore, et CAS. CAS a un problème, sénateur Gracia. Et Gang Fédération. Je ne sais pas. Je détends des présidents qui t'ont fait une explication sur. Plusieurs compagnies, alors environ deux. Je crois qu'il y a une compagnie allemande et une compagnie française que l'été parlé à qui il était un peu parlé pour question téléphérique là. Mais il n'y a pas d'abouti. En tout cas, bon, bah, on est ce projet est toujours là. Et le projet téléphérique là, c'est toujours là, mais nous sommes capables d'attendre. Eh bien, ok, bon, on a le.
Haïti, insécurité. La fédération des gangs en Haïti, à qui profite cette initiative? Quelle est donc l'implication de l'international dans le cadre de cette démarche? Madame, monsieur, et... Matin débat, c'est pas sans raison quoi que matin débat, je dis, il y a des gens qui ne sont pas capables de respirer, qui ne sont pas capables de vivre sans matin débat. Mais bien entendu, les gens qui font politique, les gens qui font politique, ils sont obligés de matin débat. Pour qualité analyse nous yo, également pour qualité information que nous-mêmes nous baillons dans l'émission matin débat. Matin débat nous prend pays à très au sérieux. D'ailleurs, nous comprenons que si nous prenons pays à très au sérieux, que ce soit, permettez à tous, je suis l'exidor Isaïe César et moi-même le Désir, nous ne pouvons faire sacrifice ça, nous ne pouvons perdre du temps ça là pour chaque matin nous venons là, pour nous venir parler, pour nous venir dans l'émission. Et ce n'est pas facile, c'est facile pour nous. C'est parce que nous prenons d'abord pays à très au sérieux, également nous prenons pas nous très au sérieux. Gampi l'analyse que nous faisons dans matin débat, bien entendu, il y a des analyses qui doivent baser sur des faits. Il y a des analyses qui doivent baser également sur des informations. À partir des informations qu'on gagne, donc, au cas font analyse. Mais quand pile analyse que nous faisons ici dans notre débat, il ne va pas baser ni sur des faits réels, ni sur des informations. Il va baser sur le fait que nous-mêmes, à partir de recul que nous gagnons, pour ça nous est en fait qui sous table là, ok, comme données, et puis nous produit analyse nous. Et toute analyse nous, après quoi que nous gagnons, est tombée pratiquement exacte. Madame, monsieur, nous l'avons toujours dit à cette émission, rien n'est fait par hasard donc, en politique en Haïti. Pas seulement en Haïti, à travers le monde. Pas gagnant rien qui fait par hasard. Mais mon mot, il y a des gens là où il y a un pays, où il n'y a pas jamais parlé. Et puis le jour où il y a un radio, il parle, ou il connaît que un, son message qu'elle portait et son bagage qu'elle annonçait. C'est pour vous dire que. En politique, toute action comptée et pas rien qui fait par hasard. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un débat qui a mené le pays donc vers une transition, qui a mené le pays vers une réforme constitutionnelle, qui a mené le pays donc vers de nouvelles élections. Et dans le débat, ça que nous y est là. Maintenant, il va devoir en fait. L'important que c'est l'autorité qui l'a qui connaît qui va mener débat ça puis au capable atteindre objectif qui voulait. Mais pas oublier, nous toujours dit dans matin débat madame monsieur Haïti sous l'obédience Nations Unies à travers son bureau intégré qui est donc en Haïti qui c'est donc le BINU que madame la Lim donc a dirigé qui c'est coordonnatrice bureau ça dans pays et nous tellement insister sur question BINU. Depuis là, dans le processus pour changer mission de MINUSJUSTE à BINU, jusqu'à la date 16 octobre 2019, nous-mêmes, dans l'émission de débat, nous avons suivi le dossier ça. Et nous avons dit clairement, madame, monsieur, avec l'arrivée du BINU en Haïti, eh bien, le président Jovenel Moïse n'est plus le maître de sa personne. Jovenel Moïse n'est pas président, peut-être pas encore. Donc, ils sont présidents qui sont sous supervision d'un bureau politique des Nations Unies qui est le BINU. Et pas qu'il n'y a aucune décision que le cas prend là sans qu'il n'y pas informé. Donc, le BINU, c'est qu'il n'y pas, en fait, joindre et aval, ou du moins, c'est collaboration BINU dans la décision que le gain pour le prendre. Bien entendu, la petite décision, des décisions sérieuses, les grandes décisions qui engagent les nations. Décision quotidienne, nos décisions qui ont rapport en fait que la politique, il a pris lui-même. Mais gros décisions qui ont rapport avec l'avenir, qui ont rapport avec la politique, Jovenel Moïse comme président, il est obligé d'informer Mme Lalime sous façon qu'elle prenne la décision. Ainsi que Mme Sisson, ambassadrice des Américains et donc en Haïti. Mme M. BINU là, même BINU, en fait, a un agenda. Que nous avons toujours dit agenda BINU. Il y a un point que BINU a un agenda, c'est la question et un rapport avec. La sécurité, madame, monsieur. Avec question droits humains dans le pays. Avec et question justice. Et il y a un point que le gain agenda, c'est
l'organisation des élections et la réforme constitutionnelle. Mais sur la question de la sécurité, eh bien, pas oublier que Mbini, gon mission pour te dégangsteriser pays. Parce que Haïti, son pays qui gagne gang, qui gangsterise tout côté passé. Donc, où est gon gang là? Donc, en fait, on a assisté durant les deux dernières années, madame, monsieur, à la prolifération des gangs armés donc, en Haïti. Pendant que Binu là, et bien, vous voyez que Gagnon vient prendre plus force pendant que Binu là. Jusqu'à ce que je dis, yo fédéré. À qui profite de cette initiative? Pour que ça, c'est dans Figi Binu que je dis à la fédération des gangs dans le pays. C'est la raison pour laquelle que ce matin, à l'émission En Train Débat, on a posé la question, quelle est donc l'implication de l'international dans le cadre de cette démarche? Eh bien, madame, monsieur, on va donc l'analyser. On va essayer, en fait, tenter de la comprendre, cette démarche, également cette initiative, madame, monsieur. Eh bien, ça va gagner longtemps. Ça va gagner peut-être 3 semaines depuis que monsieur Gravigno a travaillé, puis on mettait ensemble avec monsieur Village de Dieu. Et puis on mettait ensemble avec monsieur Delma 2, Delma 4, Delma 6, barbecue. Et qui dit Village de Dieu dit ça vient. Et qui dit Village de Dieu, qui dit Granville, c'est dit également donc l'équipe de Marozo, les 500 Marozo, 400 Marozo, qui croient des bouquets parce que va oublier que. Monsieur, vous connectez entre eux-mêmes. Il y a une conversation entre eux-mêmes. Il y a une communication entre eux-mêmes. Eh bien, Paul l'a parlé. Il dit comment c'est parlé. Eh bien, je dis, nous sommes en fait devant la réalité. Les gangs en Haïti sont actuellement en fédération. Yo entendu. Yo entendu, je dis. Yo entendu sous qui ça? Est-ce que là, nous paraît pour nous faire face à une certaine guérilla en Haïti? Et fédération, ça démarche, ça déjà pour te fuir. Démarche, ça déjà pour te fuir. Parce qu'il y a en fait une direction qui, je dis, a nommé fédération, ça. Et qui va venir toujours. Ok? Il y a une direction. Ok? Qui nommé fédération, ça, madame, monsieur. Pour qui ça, je dis à la fédération des gangs en Haïti? Pour qui ça, Binu, l'ambassade américaine, je dis à qui est très préoccupé par la question de sécurité dans le pays, parce que l'ambassade américaine finance la question de justice dans le pays, il finance la police nationale d'Haïti. Pour qui ça, Binu, je dis à, avec sa présence, ou vient de la fédération des gangs dans le pays, pour qui ça? On nous garde bagala pour nous. On nous garde bagala pour nous. Nous-mêmes, dans le matin de débat, nous avons dit que bâton a changé maître. Bâton a changé maître. Tout le monde connaît une relation, certains membres de l'opposition, tu as gagné, mais toujours gagné avec certains messieurs qui sont dans la question gang. Ah bah, il n'y a pas gagné ou pas boire là. Bon, elle passe à côté pour nous dire. Non, tout le monde connaît ça dans le pays. Relation que certains mouns qui sont en opposition, gagné ou bien toujours gagné ou bien t'es gagné avec gagné dans le pays. Surtout dans la zone sud là. On parle de Granville, Village de Dieu, Tibois. Tout le monde est comme ça. On a connu en fait des moments très difficiles. Et gang ça yo, t'es joué un rôle important dans le pays. Dans le moment ça yo, qui c'était pays lock. Pays lock à salte, où t'es ouais, c'était nègre avec Zamou, t'es sous barricade yo. N'est-ce pas exemple sous barricade, qui a sauté? Membre de gang! Il parle de bagaille. Nous te ouais ça dans le pays lok là. Nous te ouais, en fait, je dis, tout zam qui te gagne sous barricade yo. Par contre, n'est-ce pas dit que l'opposition, et que l'opposition pas de rapport, ou du moins pas de rapport, ou du moins pas de rapport du tout, avec la question gang dans le pays. Je dis, m'a dit que le bâton a changé maître. Si c'est pouvoir, je dis à qui récupérer Gagnon, jusqu'à ce que l'encourager à travers le CNDDR pour former une fédération des gangs,
il y va en fait lui aller dans l'intérêt, madame, monsieur. Parce que madame, monsieur, m'oblige, nous sommes en politique. Suivez mon regard. Si c'est ça qui pour faire que vous la paix qui pour mettre dans zone Matissan, zone sud-là, également la Tibonite, parce que justement, chaque fois que gang yo bloqué, il dérange le pouvoir. Maintenant, si c'est ça que pouvoir capable de faire lui-même pour capable de faire un minimum de paix, eh bien bon, c'est de bonne guerre du côté du pouvoir. Mais cependant, comprenez bien, imagine que bâton change maître. Maintenant, si fédération des gangs, non, et que c'était pouvoir qui t'a orchestré, il presque paraît ça, avec le CNDDR, c'est que l'IFEL, il est donc de bonne guerre que le mène l'IFEL. Maintenant, mais pour le faire tout, qui j'en fait? Information! Pour pouvoir faire, qui ça le fait? Non, mais qui est-ce, direction CRST? La direction de la CRS, madame, monsieur le dénommé, sénateur, grâce à Delva. Pour PSTK. Et grâce à Delva comme sénateur de la République, avait pour mission. D'ailleurs, c'est ça que tu as comme garantie pour être capable de gagner CRS là. L'idée pour mission, pour te intégrer les bases, permettre que les gagnent l'oxygène nécessaire chaque mois pour pas avoir de problème pratiquement dans le pays. Et bien, résultat que le gouvernement va joindre dans mes sénateurs grâce à Delva. CRS, vint tous nos outils, côté que c'est tout simplement c'est. Étudiant yo ko wè qui était par devant, qui était devant frontline là, qui était devant ligne là. Donc ça devait te plus prioriser donc étudiant yo. Donc un pile travail qui fait avec yo dans sens ça. L'équipe au pouvoir constatant cela et face à problème que gang a bay là et rapport qui vient développer entre le premier ministre Joseph Jout et il a appelé enek gang yo. Madame, monsieur, écoutez. Si nous connaissons aujourd'hui, nous avons une capacité, si nous avons un pouvoir pour me le président de la République là, dans le téléphone, il répond moi. C'est que moi-même, moi, son pouvoir tout. Vous d'accord, même bien, madame, tout à tout. Si nous connaissons le téléphone aujourd'hui, nous avons un sénateur de la République, nous avons un député, nous avons un ministre. Les gars, le président de la République, les gars, le premier ministre, c'est que moi-même, je suis au pouvoir tout. Donc, ça veut dire qui ça? Le premier ministre Joseph Jout, dit que le parlement dit, madame, monsieur, symboliquement, il a transféré un pouvoir à ces messieurs, madame, monsieur, de ces gangs armés. Eh bien, ça qui passe, tu l'appliques pas, le premier ministre, les gens qui ont parlé, eh bien, pouvoir, tu l'appliques renforcé. Pouvoir Bougoy renforcé parce que il a accès au chef. Il a accès justement à Premier ministre. Je tiens qu'à décider au nom de ce Premier ministre. Il a décidé au nom du pouvoir. Eh bien, problème ça que gang de Vin Bay là. Et qui pouvoir constater, il retire sa estomac grâce à Delva, il remet lui à la fédération. Maintenant, qu'à dire que. Comment il s'appelle le type qui est donc le directeur de CRS? Bon, même mon nom, monsieur. Mais son jeune garçon, monsieur Gonté est sorti, donc dans le ghetto. Monsieur est habitué par la nègre. Et c'est ça, pouvoir tes besoins. Pouvoir tes besoins, nègre, qui a alloué nègre, qui a entré dans le quartier nègre, qui a parlé nègre, que garçon ne va pas le garantir pendant que le dégain CRS en maintenant. Maintenant, c'est ça qui démarche. Résultat, c'est que Gangyo vient fédérer qu'on y a. Ok. Madame, monsieur, nous sommes au cœur de cette analyse. Et suivez mon regard. Ça, c'est la première partie analyse là. Qu'on est entré dans la deuxième partie analyse là. Première partie analyse là, c'est que nous d'accord. Que si il y a une opposition qui a un pouvoir sur les gangs, je dis à ce n'est pouvoir yo, à travers CNDDR, à travers CRS, qui viennent récupérer les gangs. Et qui encourage eux pour être capable de fédérer. Et de fait, je dis à la confédération des gangs dans le pays. Ils ont tant ok, c'est un objectif clair. Maintenant, c'est quoi cet objectif? Madame, monsieur, nous propose pas virer le bouton radio, nous tourner.
pour deuxième partie analyse là à l'émission Matin Débat. Et deuxième partie analyse là, madame, monsieur. Mais toujours dis-nous que Matin Débat sont émissions qui font l'autre émission. Elle dit que faut attendre émission Matin Débat pour qu'elle comprenne émission qu'elle fait demain matin. C'est une émission qui menait en l'autre émission. Dans quel contexte que je dis, gagner fédération des gangs dans le pays? Dans quel contexte? Dans le contexte politique est extrêmement compliqué. Même dit nous difficile. Moi dit compliqué. Parce que ça nous gagne là comme situation, c'est très complexe, madame, monsieur. C'est compliqué pour qui ça? Ou dans le coronavirus? Les effets du pays lock jusqu'à présent, Haïti pour qu'on remette li de pays lock là, sur le plan économique. Nous comptons que international la gagne pied actuellement et secours par nous à travers Bini. Nous contexte côté que par gagne élection américaine. Nous contexte côté que par gagne élection générale en République dominicaine en juillet, donc le mois prochain. Dans le contexte côté que je dis à élection pour qu'a fait en pays d'Haïti. Dans le contexte côté que je dis à n'a parlé de 7 février 2021 pendant qu'on a parlé de 7 février 2022. Mais dans quel contexte que je dis à là où vient une fédération des gangs. Maintenant, la fédération des gangs est confortable eux-mêmes. Est confortable. Déjà ils ont direction générale. Et il y a une possibilité, si vous avez un revendiquement du cabinet ministériel, puis vous avez même un ministère, mais deux ministères. Qui ça peut empêcher vous? Avec possibilité tout, puis vous avez une mairie. Qui ça peut empêcher vous? Non. Ouais, non. Qui non, ça peut empêcher vous? Et magistrat, voilà. Qui ça peut empêcher vous? On va essayer de regarder les gens que nous relais bandits. Les gens qui sont d'accord que vous êtes bandit dans le pays. On va essayer de regarder les gens qui OK, qui vient jodi a chef de gang. Et qui d'accord que ce chef de gang, qui d'accord que c'est bandit, mais qui connaît toujours dit à tout. Yo gon pouvoir nan men yo qui c'est le pouvoir des armes. On garde yo. Madame, monsieur, nous sommes en 2021. Qui est-ce qui barbecue? Jimmy Cerisier. Un jeune garçon qui rentre dans la police là avec toute innocence li qui jodi a fait connaissance avec les armes. Donc le métier des armes, c'est dans la police là que le fait. Et il vient prendre en pile poil. Il fait expérience. Il goumé. Et bien jusqu'à ce que le bâtiment lui ait un niveau. Dans la question des armes dans la police là. Jusqu'à ce que il vienne trop pour la police là. La police a mis dehors. Mais Jimmy Cerise et tout, pas oublié. C'est Delma 2 le rété, Delma 4, Delma 6. Li wè bataille qui fait dans le quartier sa yo. Li vive bataille sa yo. Bataille 91, 95, bataille 2003, 2004, li wè tout. Et le donne de la police là. Jimmy Cerise qui a tiré. On ti malere qui m'a en goud dans mounal. Et puis pendant la proposition pour dire que lui-même, li pap quitte nek vin fait des ordres dans Delma 2, Delma 3, Delma 4. Li vin joué nek qu'on y a kapote kop bali. Eh bien, je dis, les citoyens, ça, jeunes garçons, qui font faire toute expérience ça dans la police là, ils font qu'on est portant ZAM qui n'a maintenant. Ils font faire comme ZAM. Madame, monsieur, c'est un vrai chef. Je dis, justement, on voit que c'est un chef. L'on allait dans Grand Ravine, l'on allait village de Dieu, s'il a appelé Bougoy, n'est que ça, ok, vivent dans des quartiers populaires. Ils ont battu dans gang avant. Yo te kon gade ki sa lot nèg ki te nan gang nan zon nan pays avant vin a fè yo intégré yo même équipe là et ben vin prend poil tout même gentou oui pas oublier que c'est pas jeune garçon qui a 20 ans jodi a yo te gen 18 ans yo te gen 20 ans jodi a pas gen 20 ans ils n'ont plus 20 ans madame monsieur et yo connaît pas tant zam ki nan meyo et avec zam ki nan meyo yo riche ki la donc fè caille ki la donc cap bien vivre ki la donc gen business et jodi a yo fait valoir pouvoir pa yo
Eh bien, vous comprenez la bataille politique là. Il y a ça qui connaît très bien le secteur de l'opposition. Il y a là-dedans qui prend plus fort leader opposition pour bluffer. Il y a là-dedans qui connaît très bien le secteur du pouvoir. Il y a là-dedans qui prend plus fort le pouvoir pour bluffer. Jusqu'à ce qu'on dit que yo même yo pas bay chance encore ni à opposition ni à pouvoir, y a fait tout ça pour faire pour tête pas yo. Eh bien, je dis ya, yo monté équipe pa yo. Yo monté fédération et son petit armée qui là dans pays ya. Pour m'a dit son gros armée. Parce que la police ça s'il était capable, il t'a fait face déjà. Si l'armée d'Haïti a été capable d'où, il t'a fait face déjà. Donc son gros l'armée qui là. Et yo gen zam nan men yo, yo gen l'argent et yo gen moun ka finance yo. Par exemple fac là en Colombie. Justement, alors c'est là je pour laquelle que l'émission de débat nous dit que est-ce que là nous va parler vers une guérilla? Madame monsieur, c'est pour quel résultat? C'est là le débat. On fédération des gangs. Pendant que gen Bini qui là, pendant que gen Marcel américain qui là. C'est pour quel objectif madame monsieur? C'est pour atteindre quel objectif? Dans tout pays du monde, toute fédération de gang n'est pas maintenant en green bagaille que la déstabilisation ou bien la prise du pouvoir. La déstabilisation ou bien la prise du pouvoir. Si je menti, on est avec je vous dis que c'est menti ma baille. Pas qu'aucun pays là sous la terre. L'on parle de fédération des gangs, l'on parle de gangs, l'on parle de forces armées. L'on parle de guérilla, résultat toujours bail, c'est deux cas. Ou bien la déstabilisation, ou bien la prise du pouvoir. Je veux quand même me baser sur deux exemples que nous avons dans le pays. Là. D'abord, l'exemple de 1991 à 1995, on a connu frappe en Haïti. Frappe, c'était justement pour contrecarrer la vague lavalassienne. Le courant lavalassien. Et c'était également pour forcer Jean-Bertrand Aristide à négocier avec l'armée dans le cadre de l'accord de gouverneur Allen. Et c'est Liu Tebaï fameux, Toto Constant, qui retourne aujourd'hui en Abéia. Donc frappe, madame, monsieur, de 91 à 95, a eu quand même un certain support international. C'est la raison pour laquelle que Martin m'a posé question. Quelle est donc l'implication de l'international dans la démarche de la fédération des gangs en Haïti en 2020? Est-ce que l'international n'a pas la donne? Mais c'est pour atteindre quel objectif? 91-95, c'était pour forcer les États-Unis de négocier avec les Américains et puis casser le mouvement dans le pays. Et c'est sa faute, nous avons Toto Constant et toute l'équipe là. Mais Toto Constant n'a pas fait ça, madame, monsieur le pays, sans un support international. Eh bien, ça qui va passer. Ou bien, quand on a réussi à négocier, il retourne dans le pays. Ça qui va passer. Ou bien, mouvement cassé. Mouvement cassé. Nous sommes revenus donc, à l'ordre démocratique. L'ordre constitutionnel. Ça, c'est le premier exemple, madame, monsieur. Donc, si pas de service secret américain, des frappes, Toto Constant va faire tout ça, le défense à l'armée. On quitte ça là comme exemple. Deuxième exemple. 2003-2004. Si Guy Philippe n'a pas gagné un soutien international, comment le dégât fait ça dans le pays? Ou bien service secret français, ou bien service secret américain? Là, on a fait une fête, ça a passé. L'objectif des Français, c'était quoi? C'était d'expulser Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Parce que Jean-Bertrand Aristide t'a demandé restitution et réparation. Et comme il avait une dette chez les Américains, plus il était gagné en face lui, l'équipe de la bourgeoisie Jodia, qui représentait l'intérêt américain dans le pays, eh bien, ils ont d'accord français, ils ont mené la bataille. Mais si Guy Philippe n'a pas de soutien, ça, comment il a fait à lui seul avec Jodel Chamblain? Mener bataille ça. Parce que justement, tu as un service secret français avec eux. Service secret américain avec eux. Puis tu mettais Jean-Bertrand Aristide dehors. Madame, monsieur, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui arrive? Toto Constant prend prison, bien qu'elle prend prison. L'elle quitte Haïti. Malgré que Gonaïve, tribunal jugé par Contumas, elle quitte le pays, elle arrive à New York, là, elle n'en vient pas à lui. C'est une envie action, il doit arrêter Toto Constant.
et puis il fait un cas blanc, blanc tourne là. C'est pareil pour Guy Philippe. Guy Philippe fin fait 2004. Li ose dire va l'écrire le livre pour dénoncer tout le monde qui était dans bail bail ça s'est passé. Yo fait le marron. Yo fait la lande yon dans pestel. Alors on pas dit pestel sans dire non. Yo fait le tourner la Kaili. Dans pestel chaque lèvre va mettre pression pour arrêter. Yo dit yo va le checker là dégage au qui était zone non jusqu'à ce qu'il vienne sénateur et pas pendant sénateur yo va arrêter. Eh bien, Guy Philippe sera donc en Haïti, madame monsieur, dans moins de 4 ans. Information. Guy Philippe a tourné là dans moins de 4 ans. Et il est encore jeune. Comprenez bien, oui? Ça dit que je dis, on a dit que ni Guy Philippe, ni Toto Constant, c'est des éléments en fait de l'international, des éléments donc des Américains. Guy Philippe a tourné là, même gens que Toto Constant tourné là, je dis. C'est pas pour sans raison au début de cette émission. L'MD dit que Premier ministre te dit, c'est lui même qui fait Américain pas déporter Toto Constant. C'est pas pour sans raison de dire. Parce que ça pas non dos, et Premier ministre trop petit. Les trois petits pour yon pas ta déporter Toto Constant en Haïti, je dis. C'est quoi la mission de Toto Constant? Mais nous connaissons lui. Nous avons pensé pays ça, son pays qui peut aller tes gens là, dans mes nous, dans mes haïtiens. Quand nous faisons une case, nous faisons une gagote, nous ne pas rien faire avec lui, il peut aller dans mes nous comme ça. Notez pour moi, je dis, en bas, réponse plus devant. Quelle est donc la mission de Toto Constant? Notez pour moi. Notez pour moi. La bonne réponse puis devant. Combien tu l'as fait côté lié? Quelle est donc la mission de Toto Constant? Eh bien donc, on gagne deux exemples ça au devant avec question gang armée dans pays. Guy Philippe ou dégâts de guérilla, frappe ou dégâts de guérilla, mais tous les deux ces armes, même si je dis ou confédération des gangs dans pays pour quel objectif? Bamba nos objectif là non. Madame, monsieur, ça c'est la troisième partie de l'analyse à l'émission Matin Débat. Je vais mourir demain matin, peut-être. Je vais arrêter, moi, quoi. Non, mais il fait que. Ouais, pendant que je dis ça, je vais dire, pas oublier que l'administration ça apparaît, mais les gens qui ont fait la vérité. Pas de problème. Ok. Je vais arrêter, moi, quoi. Je vais étouffer, moi, quoi. Mais il est fait clair, je dis. Il y a deux bagages qui sont arrivés avec. Fédération gango qui là dans pays que barbecue lui même dans tête lui avec Bougoy tu l'appli Anel Joseph même sur elle dans prison. OK, il y a deux bagages qui arrivé là et même trois. Pour qui ça que jodi a binu dans mission, il y a bouger question sécurité dans pays, il y a pour dégangsteriser pays et puis confédération des gangs. Pour qui ça ambassade américaine d'où pas jamais réagi. Ambassade américaine pas jamais réagi. Pour que ça la police là tout, pas jamais qu'à aller jusqu'au bout. La police a commencé quand côté livré campé. Côté l'ordre a sorti. Et ceci depuis sous Gédéon. Gédéon a compris une décision pour attaquer gang yo. Yo pas vous tirer jusqu'au bout. Quand côté arrivé, yo campé. Côté l'ordre a sorti. Et parce que justement, les gangs sont importants pour un secteur, madame, monsieur, dans le pays. Mais qui ça le cabaye? Premier bagage que le cabaye. Les cabines menées à un départ du président Jovenel Moïse. Parce que madame, monsieur, m'oublie qu'il y a les élections américaines qui ont fait en novembre. Il y a la date du 7 février 2021. Jusqu'à présent, l'eau coule douce entre le président Jovenel Moïse et l'administration de Donald Trump. Jusqu'à présent. Parce que relation que vous avez là, il était dans 4 votes Haïti contre le gouvernement Maduro du Venezuela. Il était là, jusqu'à présent. Mais, Jovenel Moïse également, vous garantit qu'il faut que les bails binu, ni administration Donald Trump, que les cafés bagayo. Ah ouais. Est-ce que vous le mettez dans tout? Les bails en Boundou, et mon cher, bon contre ça, ou café? Oui, m'gaffel. Parce que Jovenel Moïse, li bay garanti ça. Que li ka fè bagay yo. Fè bagay yo qui ça? Que li ka fè élection, li ka fè réforme constitutionnelle, li ka sécurisé pays. Li ka relancer l'économie. Il dit le gamet gouvernement légitime d'où? Madame monsieur, oui. Il dit le gamet gouvernement. Madame monsieur, si li bon côté international là, ouais que Jovenel Moïse pas ka délivré, li pas ka fè élection,
li pas capable de faire réforme constitutionnelle. À mon parler ça pas passé. Ou parler rôle fédération gang dans pays. Et gagne un point ça aussi c'était là qui était échoué. Aïe aïe aïe. Oui, il y a pile un point ça qui était échoué. OK. Maintenant ou ka wè que gang yo konya, OK, li vinn amplifier dans pays. Fédération tout côté et puis pays a vinn invivable. Cousin a tiré tout côté et puis Jovenel Moïse bye bye. Aïe bye bye qui est arrivé. Deuxième bagage qui est arrivé. La fédération des gangs, l'ICALA tout, pour permettre que réforme constitutionnelle la fête. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous n'avons pas oué que l'international là, est très attaché à cette réforme. Et pas de route pas bois. Parce que ces réformes constitutionnelles là qui parle dit mais qui nouveau pays que nous gagnons, ces réformes constitutionnelles là qui parle dit mais qui qualité de élection que nous gagnons. Donc la réforme constitutionnelle, madame, monsieur, est fondamentale et incontournable, indiscutable pour l'international. Maintenant, Fédération des gagnants, il y a 11 outils pour neutraliser l'opposition. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Force et retenir tout net. Comment tu cloches? Bâtir de l'imme. Parce que pas oublier, mais tout que bâton a changé maître. Bâton a changé maître. Donc, ou carré, c'est pour neutraliser l'opposition. Ok? Pour nous engager la nation dans une réforme constitutionnelle. Mais troisième bagage qui est arrivé, madame, monsieur, qu'on connaît très bien, c'est. Gagner les élections. Aussi simple que ça. Donc, si y a une élection, gagner dans un secteur, eh bien, on regarde combien de bureaux qui gagnent dans l'espace côté gagné. Combien de bureaux devant qui gagnent. Et population électorale qui dans l'espace ça, combien elle représente. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Matin Débat. Donc jusque-là, c'est ça notre analyse. Maintenant, nous partons pour débat. Je m'attends à tout. Bon. Alors, nous avons fait débat là quand nous avons fait lui, mais pas gourmet, pas discuter. Ok? Respectez l'opinion de l'autre monde. On avance. Je commence avec. Jean-Pierre Baye, en forme. Je commence avec mot bâton changer. Mais alors, et bâton changer, mettre une importance pour moi. Et ça a une importance pour moi encore, CAS. CAS a un problème, sénateur Gracia. Et gang fédération. Ça a une valeur pour moi là. Bâton changé maître. Alors, moi-même, je comprends que bâton n'a pas changé maître. Mais bâton a changé position. Position. Et ça me comprend. Très bien. Parce que maître, tu es toujours maître. Très bien. Tu es toujours maître. Mais bâton a changé position. Bâton a changé position. L'été là, qu'on y a là, là. Parce que mettre bâton, toujours qu'il y a un bâton en amène. Et mettre bâton, c'est bini. Aïe, aïe, aïe. Mettre bâton, c'est bini. Parce que faut que nous pas, pas écartons seconde. Grande responsabilité, mais politique. Politique. Et c'est pour la première fois international là prend mot politique là même. Ouais, tout ça que tu connais passé depuis avant eux, yo te connu venir accompagner, faire justice là, yo prend justice là, yo gon pile temps. Yo prend responsabilité pour nettoyer justice là, pour réhabiliter, ça va marcher. Donc, jusqu'à ce que un an de bonne résolution que y accompagner gouvernement politiquement. Maintenant, bon, il faut tirer tout net sur CAS. Alors, pour me comprendre, différence entre titre et pouvoir. Différence entre titre et pouvoir. Donc, lorsque tu es un parlement, hein? Et mais gouvernement te deal avec sénateurs et députés.
Et puisque Vingé pas gain parlement et son parlement qui forcé pour le pas dire forcé pour le pas dire l'intégré parlement et mais c'est un sénateur grâce à Delva. Non, on correct. Et puisque correct. Parlement n'est plus. Oui, mais il est un sénateur. Parlement n'est plus. Mais et pas avec même si nous faisons confiance. Pabli, il était président en bloc. Pabli, il était président en bloc. C'est différent, ça me prend avec un titre et pouvoir. Ouais. Il n'a plus de pouvoir. Ouais, très bien, très bien. Il a un titre. Très bien. Et si nous faisons confiance à l'intervention, et moi-même particulièrement, je dois faire confiance, pourquoi pas matin débat, à l'intervention sénateur Lambert, qui s'est-il attristé? Pour le sénateur, mais attention, par principe, c'est bureau mené sénat. Yeah. Et puis, sénateur n'a pas parlé de bureau. Yeah, ben. Qui doit être proposition. Bureau pas existé. Hein? Bureau pas existé. Eh bien, je dis, ah ouais, puisque bureau pas existé, eh bien, on va comprendre que sénateur, grâce à Delva, effectivement, son sénateur, elle n'a pas aucun pouvoir encore. D'où, gouvernement fait coubla, l'al dit avec pouvoir qui est Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon. Aïe, 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 c'est sa question. Aïe. Parce que je dis, parce que pas de sénat, puis elle dit pour la saisie là, je dis, c'est Monsieur Genzam nan men yo qui ka. Bayo ça au besoin. Mais ça a cherché. Hein? Mais écoutez, la question ça, Louko, nous qu'a toujours dit, d'après lecture nous, Bini fait échec. Là, il fait échec là. Mais Bini pas fait échec. Non, mais je veux, non. Attention. Exécutable. Ouais. Parce que plusieurs choses. Et mandat là jusqu'à octobre. Ouais, jusqu'à octobre. Mais, rappelez-nous bien, c'est jusqu'à octobre. Très bien. Et là, exécuté agenda là. Agenda là. Clair. Et mandat là. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Alors, faut que nous. Alors, nous, quand on dit plein. Hein. Mm-hmm. C'est là, on n'a pas les politiques, pas les politiques. Là, on n'a pas les politiques, pas les politiques. Ou pas, là, on a parlé de Bini, on n'a pas parlé de gouvernement haïtien. Très bien. On a parlé de l'international qui a intérêt à défendre là. Très bien. Il va venir travailler pour vous. Il vient défendre intérêt. Maintenant, devant intérêt, il faut qu'on ait des hommes, des femmes qui ont capacité de katembe en discussion avec eux, en débat. Clair. Bon, qu'on y a, son l'autre bagaille pour elle connaît, est-ce qu'on a gagné des hommes et des femmes qui ont katembe politique devant eux. Ah oui. Ah oui, je dis à ou pas réfléchir caillou, ou pas réfléchir tinté pour camper devant les gens, pour parler, faut le capable. Maintenant, ça c'est notre débat. Maintenant, ça clair, hein? C'est que Bini n'a route li. Mm-hmm. Et Bini a pas couché, ça lui n'a couché pendant un an. Regardez, qui dit d'accord, qui dit pas d'accord, qui dit bon pour vous, qui dit pas bon pour vous. Parce que pour le pas coucher, quand il paye grâce, il paye pas grâce. Mais il va venir travailler pour vous. Il va venir travailler pour vous. M'balbe Jésus. Alors pour le pas coucher, il faut donc une capacité pour empêcher l'accoucher. Et je dis à. Ou bien qu'accoucher, pour l'accoucher de façon pour là. Ah oui. Est-ce qu'on a une capacité économique? Qui est-ce ou gagne économiquement dans l'opposition? Alors. Il y a des fois que je ne peux pas dire opposition. Je dois dire un haïtien tout court. Parce que l'opposition est plurielle. Il y a des fois que je suis dans la question opposition. Parce que quand je suis toujours utilisé, ou pas d'accord. Parce que pas d'accord, ça ne veut pas dire opposition. Ou pas dans le gouvernement, mais on ne va pas obliger d'accord avec tout ça que le gouvernement fait. Ça veut dire d'où. Donc, ou bien l'attitude pour pas d'accord. L'on pas d'accord, ou sont haïtiens, il y a des bagailles, ou pas d'accord avec eux, ça ne veut pas dire opposition. Maintenant, il y a des gens qui sont en opposition. Et les gens identifiés sont en opposition. Il faut que nous ne nous mêlions. Il faut que nous ne nous mêlions. Maintenant, que ou pas d'accord, ou bien on est en opposition, ou qu'on vient trouver que le gouvernement ou bien l'international a mené dans le même panier. Mais, pendant le mettre dans le même panier, il est bien connu. Il y a des choses qui ont besoin de faire. C'est les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord avec les choses. C'est les gens qui sont plus ou moins souples. Opposition plus ou moins souple. Donc, voilà, en gros, c'est une bataille liée
bataille ça, c'est bataille pour fin 2021. T'as fait là. Très bien. Alors, il faut qu'on ait bini, c'est octobre. Oui, octobre. Mm-hmm. Elle dit que, bon résultat pour une balle. Et il faut le mettre dans la situation pour renouveler le mandat là. Ah oui, pas bien. Même Jean-Ministre de Confel. Même Jean-Ministre de Confel. Qui est-ce qui a le pouvoir pour renouveler le mandat? Gouvernement. Président de la République. Comprenez bien, madame, monsieur. Donc, il faut que nous mettons dans la situation pour renouveler le mandat en octobre 2020. Mais espérez seulement que nous, dans la dimension analyse matin débat, je veux dire. Ou du moins, dans la dimension analyse matin débat, yo. Yo. Voilà. En tout cas, moi-même, et moi, inquiet par rapport à ça qui est dessiné là. Le temps de Genève, le temps de réunion et du moins mise ensemble, moins inquiet. Pour qui ça? Parce que moi, une fois que le fait, c'est avec rapidité que bah en fait là, l'année que fait et puis au gars t'as gagné poste. Moi-même, puisque moi a encouragé de moun garder l'espoir que Haïti, que nous gagnons aujourd'hui, hein, l'ipa prête na Italie, hein, ça vient faire pipé. Ça vient faire un battement de tête. Moi, est-ce que on va continuer à demander à monde garder l'espoir parce que ça passe? Qui sont attirés dans ce gain là? Lorsque des jeunes garçons qui gagnent 18, 19, 20, 21, jusqu'à 22 ans, là, souterrain, a gardé ce qui a passé souterrain. Là, ils ont rendu compte, ils ont gardé que il y a des jeunes garçons qui ont des âmes. Qui prend zam et puis qui avec zam nan yo fait des bagay pour des autorités dans pays an rive sou yo, yo réuni, yo met tête yo ensemble, yo vini yon force, yo vini yon pouvoir, j'en te dit tout à l'heure. Et ben moins paix, moins paix pour Haïti de demain an. Moi paix pour jeune garçon, jeune femme de demain qui pral dit tête li qui ça me pral chercher l'école, qui ça me pral chercher sous ban l'école, qui ça me pral chercher nan université lorsque m garde ça que là avant mio l'école patiti li rien, c'était un groupe de nèg qui te prend zam qui te gen valeur dans pays ya. C'est eux-mêmes qui ont le pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont discuté avec eux. Alors que eux-mêmes, à l'école, ils n'ont pas attendu. Ils ont un diplôme, ils n'ont pas travaillé. Ils ont une licence, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas vivre. Quel jeune garçon là qui quitte en ville province, qui a dormi 11 ans là, chaque matin, qui lève, qui par contre comment, non, journée le bras passé. Il choisit pas de qu'il y ait non. Mais les regard de loi importance moun ki gen des âmes nan gagner. Et ben li dit tête li ki ça me pral gagner, ki ça me pour me perdre là que ki ça me gagner pour me perdre que me pas ka ken mes âmes tout pour me faire négriver sous moi pour me chercher respect pour yo ka bon valem nan pays ya. C'est ça que me dit me père. Moi père pour jeune garçon yo pour demain haïtien. Malheureusement moun ka bayo valeur, moun ka bayo meteo sou piedestal la, moun ki c'est moun ki ta supposé décourager aucun bezam nan. Correct. C'est moun ki ta supposé désarmer yo, réinsérer yo nan société ya. Parce que yo dévié et ben walou en tant que papa lorsque on petite ki dévié. C'est pas enfoncer le nous, c'est pas bal gloire pendant le dévier, mais c'est prêcher, c'est relèl vin jouer nous, c'est aldeyel. Même Jean Jésus te fait, l'el t'a pas la question brebier garé. Eh bien, li aldeyel pour le ramener sur le droit chemin. Eh bien, ou l'État, ou le gouvernement, ou quel que soit moun qui t'a gagné responsabilité dans le pays, hein? C'est ça. C'est permettre, et ça fait le CNDDR te monter, m'te content. Pas qu'il y a aucun pays, nous désarmement fait sans l'argent. Aucun okay, côté. Qui bon cap dit au monde qui est en Québec, sans l'argent, sans l'argent, sans visa, sans rien, mais qui bon, pas qu'à désarmer le monde sans l'argent. Lors du mission, c'est désarmer le réinsérer dans la société avec qui ça a zon nous. Si ça fait le CNDDR, là, t'es monté, m'te content parce que, alors t'es là déjà, oui.
lorsque on était retourné avec CNDDR, moi j'étais pensé que et mes paysans étaient sous bonne voie parce que eh ben nous avons fait un travail. Un travail, on t'a dit qui t'a porté fruit à l'avenir parce que lorsque on retire zam non mais moun yo réuni là kounya, yo pa remettre zam yo non mais toujours. N'importe les fâché, yo ka servi avec zam ça, yo goumé entre yo encore, yo désunifié yo et puis yo tourné dans même bagarre là. Donc ça veut dire là yo réuni mes paysans. Parce que bon question que vous vous posez là qui est fondamentale. Qui est-ce qui derrière et puis qui résultat qui sont atteints qui objectif union ça. Donc moun kap gade yon, jeune kap gade yon, action ça lorsque li joine appui des autorités qui t'a doué là pour retirer zam nan men moun yo, et ben ça l'a fait que pérenniser question nèg ak zam que son jeune garçon ak jeune femme k'ap kebe zam nan peyi. Très bien. OK, bon. M'konnen nous là nan fait débat nous même tout, débat pa nous. Alors on a comprendre pour ki ça que nous ouais que de jour en jour la police ou du moins service douanier, agent douanier a saisi zam nan douanier. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit que là, nous mettons en train de nous à n'importe qui bagaille. Parce que vous avez oublié que, madame, monsieur, paye à pas le vin pi red. Paye à pas le vin pi dur. Sous base d'analyse que nous faisons matin, nous mettons en train de nous que paye à pas le pi dur. Ok? Paye à pas le pi dur. Donc demain, pas facile du tout. Ok? Paye à pas le pi dur. Donc c'est préparé. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est son vérité. Donc paye à pas le pi dur demain matin. Ok. Le président Donald Trump sollicité en compte dans le président Nicolas Maduro. Alors pour ça me dit ça matin parce que gapil moun ka parler. OK? Et président Maduro répond pour dire que il est d'accord pour rencontrer avec le président Donald Trump. Qui s'est passé? L'administration américaine vient de rendre compte que dans des marches d'entrée pour supporter Guaido en face Nicolas Maduro, il a échoué. Maintenant, il faut revenir donc à la normalité des choses. Mais toujours dit ça dans l'émission Matin Débat. Ennemi, on n'a pas qu'à battre lui, on n'a pas capable de vaincre lui. C'est chita avec lui. MD dit ça ici, sous question gang yo. Ok? Maintenant, président Donald Trump, quand Chita parlé avec Nicolas Maduro. Alors, il y a des gens qui font commentaire, savoir que je dis à le grand perdant, donc c'est Haïti. Parce que Haïti te prend position donc, pour le président Donald Trump, pour les États-Unis d'Amérique. Et que je dis à voilà que les États-Unis eux-mêmes. Moun yo te considéré comme ennemi yo. Donc voilà que yo va négocier, yo va chita parler avec ennemi yo. Mais c'est pas comme ça pour nous bailler là non. Et que Haïti jodi a perdu Petro-Caribéa. C'est pas comme ça pour nous. Parce que il y a le pays, il y a le mandat du président Jovenel Moïse. Ah oui. Son maladresse. Une belle différence. Ah. OK. Jovenel Moïse. Non. Voter Nations Unies n'est intérêt États-Unis contre les intérêts donc du président Nicolas Maduro, eh bien c'est tête qui est sauvée. Pas Haïti. Non, pas Haïti, non. Donc il sauve tête. Vous voulez dire il sauve tête. Oui. Il vote contre Haïti. Il sauve tête lui. Ou bon, votation vote pratiquement contre Haïti. mais il sauve tête lui. Oui. Parce que justement, s'il te vote pour le Venezuela, je dis qu'il n'y a encore. Donc l'argent est au Caribe. Oui, mais le président Jovenel dit qu'il n'a pas ce pouvoir tout. Ah, bah, voilà. Mais ça veut dire que lui oblige de sauver tête lui. Parce que s'il va voter pour les Américains contre le Venezuela, il a perdu le pouvoir peut-être dans deux mois après. Oui, oui. Donc il sauve tête pâle. OK? Maintenant, c'est déjà en fait une bonne démarche que ouais, Donald Trump comme président américain. Il va acheter avec le président Nicolas Maduro. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bagaille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bagaille. Ça veut dire.
un paquet de bagages. Ça veut dire un paquet de bagages. Mais son pote qui ouvre encore pour Haïti. Son pote qui ouvre, vous pensez ça? Oui. Parce que pas oublier, dans l'histoire, pays ami que Venezuela a cité, Maduro a cité, Haïti va là-dedans encore. Non, parce que justement, Haïti a voté contre lui. Eh ben, et c'est normal. Mais lorsque tu fais ça. Que vote que Haïti te fait, pas de vote Haïti le. C'est le vote pour te sauver président Jovenel Moïse. Non mais voilà, non. C'est de fait s'il pas de voter Haïti, le président. Haïti, Haïti, Maduro toujours gain même l'amour pour Haïti. D'ailleurs, il dit. Même l'amour pour il toujours pour Haïti. D'ailleurs, il dit vote là c'était président, c'est pas alors c'est administration, c'est pas de pays. Moi mon pas bien, mon pas bien avec lui. Oui. Oui. Non mais maintenant logique surtout, ça, non? Surtout si joue à fait devant. Mais oui. OK, mais c'est même là oui. Maintenant comme mon rebien moun là. Ou même ou ka bien moun là tout. Ça va dépendre des gens d'entrée. Attendez mon frère. Dépendamment de quel diplomatie qu'on gagne. Oui. Bon. Parce que pas que je dis à États-Unis vienne pas. Bon, écoutez, s'il va parler avec Nicolas Maduro, va dans ton son bagage. Elle dit que Paul n'a pas posé encore. Mais c'est pas pays non là. Sous quelle diplomatie? Mais c'est pas pays. Retourner en fait sur le. Nous pas pays. Ouais. Et moi le bon. Hein, comme si Américain fait à gauche et ou même ou tant continue tout ou courir ou fait à gauche tout. Et ça lui. Il tourne le fait à droite ou sous quelqu'un ou tant continue tout encore ou tourne fait à droite. Comme si finalement quand objectif fou. Quand objectif fou. Et ça lui me dou. Ah dis-moi là. Objectif bizarre. 5 ans. Objectif 5 ans. Objectif 5 ans. Bleu pas bleu. Et puis je parle 10 ans. 10 ans. Madame, je n'ai pas proposé en tourner. Yeah.